C'est parti. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la découverte de Blue Lock Project World Champion. On est en live, comme vous le voyez. On va découvrir ça ensemble. La télé. Oh là là, c'est incroyable. On peut enfin y jouer. Alors, qu'est-ce que je lui donne? Pour le moment, on n'a encore rien vu. On a 542 MB à télécharger. Pour pouvoir télécharger le jeu, vous allez juste besoin d'avoir, si je ne dis pas de bêtises, WAP ou TapTap, aussi simple que ça. Ok. Du coup, là, on termine bientôt. Est-ce qu'il y a une petite musique histoire de nous ambiancer? Oh, un petit beat. Ok, on aime. Bon, on va aller tuto. Oh la voix. Incroyable. Bon, les gars, comme vous le savez, pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça fera énormément plaisir. Et on est en live, comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'au moment où je vais poster la vidéo, je serai aussi en live. Bon, on skip. Sinon, la vidéo va durer 40 heures. Allez, on skip. Bon, à première vue, pour le moment, pas de bug. Alors, à quoi va ressembler le gameplay? Wesh, Ramyox. Ouais, c'est du 2,5D. Hein. C'est ce que j'avais pensé au début. Hein. Ouais, le jeu est sorti, les gars. Le jeu est sorti, disponible. Hein. Ah, ça, c'est les locks, ok. Ah, c'est contre Barreau dès le début, comme ça. Ouah, c'est stylé de ouf. C'est stylé de ouf. Ça, c'est la compétence, ok. Non. Ok. Là, en fait, ils expliquent pas comment ça se passe. Ok. Il y a un système de x4 même dans les trucs. C'est incroyable. Incroyable. Ok. Allez, pour le fun. Ok, du coup, ça, c'est tous les persos qu'il y a. On va partir sur Ego, hein. La voix de Levi, comment c'est? C'est juste de la gestion. On maîtrise pas les persos. Ok, on va voir. Ok. Ouais, on va voir comment ça va. C'est que t'as pas finalisé l'inscription, frérot. Enfin, t'as pas pu finaliser le bail de transfert de compte JAP. Ok. Ah les gars, me spoilez pas. Arrêtez de parler dans le chat du jeu là. J'ai envie de découvrir à 100% le jeu. Commencez pas à me spoil comme ça. Je déteste ça. On est en pleine découverte, on est en vidéo. C'est cool, vous kiffez, vous êtes content. Moi aussi je suis content. Allez, c'est parti.
Ok. Sur le Play Store, frérot, tu t'es préinscrit, j'ai Air God. Jaeger, plutôt Jaeger. Spoil ban, ouais, totalement. Ok. Spoil sur sur les scans, les gars. Ok, ça. Oh! Ils ont vraiment pensé à tout là. Ok. C'est de la gestion du coup. Ça va ressembler à ça tout au long? Ok. Ah, j'aurais imaginé un délire de compétences. Mais en fait, non, c'est de la simulation. C'est vraiment de la simulation à 100%. Tu peux pas le télécharger sur iOS, frérot, moi j'y peux rien. J'y peux rien, c'est que t'as mal fait la... T'as du mal faire un truc, frérot. Tu auras la finalisation de ton compte en version Jap. Ouais, faut être sur Nox. Je l'ai précisé, hein, je l'ai précisé dans le tuto sur Twitter. Hein. J'ai envie d'être aux invocations. Là, on m'a dit que les invocations étaient incroyables. J'ai envie de voir ce que c'est. Le premier qui spoil, c'est direct ban pour les animations d'invocation. Il va se manger un ban instant. Vitesse de l'éclair. Ok. Ah, laisse, t'inquiète, Raishin. Raishin. Ça, c'est les invoques? Non? C'est quoi? Ben non, c'est un jeu japonais, frérot. On a prévenu, hein. Le jeu, c'est pas une sortie globale, hein. Ok, let's go. Le jeu joue solo, une nouveauté pour fin 2022. Non, c'est trop, c'est trop.
C'est du management à 200% le jeu. Hein. On améliore les persos, on fait la formation et on les laisse faire. D'ailleurs, ma première théorie sur le jeu, c'était un truc comme ça. Hein. Ouais, il y en a beaucoup qui sont déçus. Il y en a beaucoup qui sont déçus, mais moi en vrai ça va. Je vous ai dit que ça allait être pile. Hein. Maintenant on va voir les invocations. Ok. Ouais, je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé ce système de dribble. Genre en 1v1 en 5 secondes. T'as pas peur des mots? Bah, c'est ton avis après. C'est où les gachas? Là? Ok, ok, du coup, on a ça. Des bonus de co. Ok, les notifications d'annonce. Comme ça. Et pour invoquer, c'est où? Step up. C'est ça? Non, non, c'est pas ça. Non, non, ça peut pas être ça. C'est vrai que les jeux full auto, c'est problématique après. Ah, c'est là les invoques. Mais avant toute chose, avant même d'arriver aux invoques, c'est ça. Oh! Ah, c'est vrai que c'est stylé, hein. Bon, une étoile, du coup, c'est très nul. On voit un peu les différentes animations qu'il y a. Il faut qu'on retourne à l'accueil parce qu'on a des trucs à récupérer. Ok. Du coup, on commence bien avec deux multi. On commence avec deux multi et on va partir invoquer de suite. Bon, on a ça. On fait d'abord le ticket multi. C'est parti. Est-ce que l'animation, il y a un changement d'animation ou pas? Il y a une animation supplémentaire, mais sans plus. Pourquoi il y a un chargement entre l'animation et les invoques? Ok, deux étoiles. Ça va reroll, hein? Ah, ça va reroll fort, hein? En plus, des doublons sur la princesse. C'est parti. Mitomi player. Ouais, je pense qu'il faudra invoquer sur lui. On va faire une multi ici et une multi sur l'autre. Non, il n'y a pas eu de trucs supplémentaires là-dessus. Ok.
Par contre, ils ont repris le truc à... Ah non, c'est moi. J'ai failli dire qu'ils avaient repris le truc à la Dokkan, mais non. Et là, on invoque ici. Mais du coup, on va aller voir le taux de drop. Parce que, comment dire? Comment dire que c'est pas... Ça m'a pas l'air ouf. 3,6% pour Mitoma. Ok, il y a un délire de multi, ok. On invoque. Il n'y a même pas d'animation spéciale. Oh, ok. Ok. C'est comme ça qu'on drop. Merci pour le... Merci pour le raid, Ezio. Ça fait plaisir, frérot. Du coup, là, j'ai un fake out. Ratio. Ok, force. Force, mon gars. Oh, ça va reroll fort, hein. Oh, l'animation éclatée. Tout ça pour ça? Oh, ça va reroll fort. Et on termine avec ça. C'est un jeu de management, les gars. Quand lui il tire. Ok. Et une autre animation? Non. Il tire à droite. Ok. C'est qui? Du coup, je drop lui. Ok, c'est cool. Dis-moi que le jeu est bien. Bah, t'as entendu, frérot. Ils t'ont répondu. Moi, je pourrais jouer en chill pour le jeu. Mais là, pour le moment. Ok, je pense qu'on va partir sur un reroll. Parce que, quand même, ça fait un peu mal. 3 multi. On commence avec 3 multi. Sans drop un seul 3 étoiles, c'est violent. Ok.